3 minutes, ça va être difficile. Mais bon, on va essayer. Salut les filles, c'est Rétini. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un challenge de vous faire cette vidéo en 3 minutes. Je ne veux pas trop blablater. On y va. Si vous n'aimez pas dormir avec un foulard sur la tête ou un bonnet en satin sur la tête, une astuce serait d'attacher votre foulard en satin sur votre oreiller. Et là, vous avez votre tête d'oreiller en satin. Vous savez, il y a des moments où on veut se faire une coiffure, mais nos cheveux sont déjà sales, on commence à avoir de la crasse, mais c'est pas encore le jour du shampoing. J'ai une astuce pour camoufler tout ça en attendant le jour du shampoing. Vous prenez une part de vinaigre de cidre et vous rajoutez 3 parts d'eau. Cette mixture, vous l'appliquez sur la partie à nettoyer avec un disque démaquillant et le résultat est juste nickel. Quand vous voulez accélérer votre soin profond ou votre bain d'huile et que vous n'avez pas un casque chauffant ou un appareil chauffant pour le faire, l'astuce est de mouiller une serviette avec de l'eau chaude du robinet. Vous pressez et vous attachez la serviette sur votre tête et donc la chaleur retenue dans la serviette va aider à accélérer le processus de votre soin profond. Vous pouvez tranquillement aller vous balader sur les réseaux sociaux et c'est l'occasion de nous rejoindre sur Instagram, mon Instagram et l'Instagram de Unique. Si vous êtes fatigué de toujours acheter des élastiques et de les perdre, une astuce serait de les faire vous-même. Alors comment? Vous prenez un pied de chaussette ou un pied de colon, vous coupez avec un ciseau et voilà, vous avez des élastiques sans fer. Et c'est aussi intéressant de couper la partie dure parce que là, vous avez un élastique qui est beaucoup plus solide. Quand vous faites votre bain d'huile ou votre soin profond et que la mixture dégouline sur vous, oh là là, c'est pas du tout agréable d'être là chaque fois à essuyer, à essuyer, à essuyer. Une astuce qui est vraiment intéressante, c'est d'attacher un pied de chaussette ou un t-shirt. Là, vous sécurisez avec un élastique et parfait. Au lieu d'utiliser une serviette pour sécher vos cheveux après le shampoing, préférez à cela une matière cotonneuse. Si vous avez un t-shirt que vous n'utilisez plus ou alors un autre vêtement qui a une matière en coton, vous pouvez parfaitement sécher vos cheveux avec cela après le shampoing et vous allez garder beaucoup plus d'hydratation et vos cheveux vont moins s'emmêler. Pour ne pas perdre mes pinces et mes coiffes et devoir les racheter tout le temps, je les rentre dans un petit pot et c'est très pratique quand je vais les retrouver pour me coiffer. Pour nettoyer vos peignes, vos brosses et vos pinces, vous faites couler de l'eau chaude, vous rajoutez un détergent de votre choix à l'intérieur, vous faites mousser avec la main. Vous plongez vos peignes pendant 30 minutes et après les 30 minutes, frottez un petit peu avec la main. Et voilà, vous avez vos outils qui sont tout propres. Pour prendre soin de vos tempes et éviter de perdre des cheveux ou accélérer en tout cas la pousse des cheveux sur vos tempes, vous pouvez chaque soir, avant de dormir, appliquer de l'huile de ricin sur les tempes. Vous prenez une brosse à dents, vous mettez un peu d'huile de ricin dessus et vous brossez en douceur vos petits cheveux de devant. Pour avoir des petites pinces décoratives originales et pas très chères, vous prenez des petites perles, des petites boucles, ou en tout cas des petits bijoux que vous n'utilisez plus à la maison. S'il y a un creux, vous enfilez simplement une coiffe dessus et voilà, vous pouvez l'utiliser pour décorer vos petites coiffures. Lorsque vous faites un afro puff et que vous voulez quand même avoir un gros chignon au-dessus et pas le petit chignon et kiki, vous remontez l'élastique et vous prenez une pince pour bloquer au niveau désiré. Vous pouvez entrecroiser deux pinces entre elles pour être sûr que ça reste bien en place. Et vous ajustez vraiment selon ce que vous voulez. Donc voilà les filles, c'était les astuces que je vais partager avec vous en quelques minutes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la pour que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-nous sur Instagram. Et je vous dis à bientôt. Bye. Ouf, c'était chaud.